Tout d'abord, pour survivre dans un monde apocalyptique avec des zombies, ce qu'il faut faire, c'est suivre les règles. Et moi, c'est comme ça que j'ai réussi à m'en tirer. Oh putain, moi je reste pas là! J'ai enfin réussi à semer ces zombies. J'entends quelqu'un arriver. Et c'est sûrement un zombie. Faut que je me prépare. Règle numéro 1, toujours être prêt. Si un zombie approche. Non, la boulette, c'était pas un zombie. Mais t'as tué mon ami. T'as conscience de ce que t'as fait? Mais j'ai pas fait exprès, en plus il commençait à parler et tout. Mais c'est pas possible, comment tu es nul? T'as tué mon meilleur ami. Tu reconnais ton zombie d'un survivant? Aussi une règle importante, ne jamais se faire prendre de haut. Tu ne me prends pas de haut! J'aurais peut-être pas dû le tuer. Monsieur! On a besoin de votre aide! On a un grave problème! Oui, qu'y a-t-il? La prison a été attaquée! On a un grave problème! Les réfugiés! Ils arrivent! Ok, dites aux citoyens de dégager leur cave ou leur grenier pour laisser de la place aux réfugiés et de ramener de la nourriture et des couvertures pour qu'ils aient quelque chose sur le dos. Ok, j'y vais. Par contre, on n'a pas retrouvé le général Rapion. Qu'est-ce qu'on fait? La priorité, c'est les civils. Pour le général Rapion, j'irai moi-même le chercher. Ok, je vais aller le dire aux civils. Mais où es-tu, Rapion? S'il vous plaît, monsieur, aidez-moi, il y a des zombies qui me suivent! Vite, mets-toi contre le mur! Ok. Ne fais plus aucun bruit! Ils arrivent! Bon, ils sont partis. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On se casse d'ici. Suis-moi. Maintenant, vous pouvez me dire qui vous êtes. Je suis un militaire et je cherche mon Greggy. T'en as pas vu mon Greggy? Non, j'ai pas vu ton Greggy, je sais même pas ce que c'est. Si tu veux, je peux t'aider à le retrouver. Mais faudrait déjà qu'on arrive dans un endroit sécurisé. Je connais un endroit sûr. En plus, il y a plein de survivants, comme nous. Et je suis sûr qu'il y aura mon Greggy. Ok, alors je te suis. Ok, alors allons-y. Oh putain, mon dieu. M'en occupe.